Les immigrants sont pour l'instant très nombreux sur le côté, le bas côté même, je dirais, de la route, à regarder le Québec tourner comme un manège sans jamais pouvoir y monter. Il y a, certes, et cela a été dit ici et là, un problème au niveau de certaines mentalités. Et je crois que si nous, souverainistes, ne réveillons pas la majorité de notre société, si nous ne montrons pas aux autres, et même à nos adversaires, le vrai visage du pays que nous sommes apparemment les seuls à imaginer et qui n'a rien à voir avec le discours hypocrite ou perfide que certains d'entre eux défendent, mais si nous ne nous montrons pas efficaces dans cette démarche d'explication, de représentation face aux autres, ce vrai visage du pays souverain en devenir, les personnes issues des communautés culturelles aptes à l'intégration ne se considéreront jamais comme des Québécois. Alors, vous avez œuvré dans le domaine de la culture, des arts. Des arts et de la culture, oui. Alors, qu'est-ce que ce serait le message que vous auriez envoyé à toutes les communautés culturelles du Québec, du Canada, pour comprendre la souveraineté, pour donner envie peut-être d'explorer les avenues qui pourraient s'offrir à des gens qui auraient envie de faire un pays avec le Québec? Bien, la plupart des gens qui sont nés ailleurs, puis qui viennent d'ailleurs, viennent de pays qui ont soit défendu leur autonomie, leur indépendance, peut-être pas les jeunes générations, mais la génération de mon père ou de mon grand-père m'en a dit long sur ces périodes-là. Et quand on a cela en mémoire, on ne peut pas empêcher d'autres qui aspirent à la liberté d'atteindre cet objectif-là. Et quand on considère que le Québec est sincèrement une nation, on ne peut pas l'empêcher de subsister sans son propre projet politique, sans son propre projet culturel, sans son propre projet économique. C'est une question de bon sens. En faisant, nous avons inévitablement des conditions d'adhésion et d'identification au foyer principal de la société québécoise. Et nous créerons également des conditions d'addition de voix qui viendraient soutenir notre cause commune, qui est l'indépendance du Québec. Ce sont les deux objectifs que poursuivent évidemment les deux parties pour lesquelles je me suis impliqué, à savoir le Bloc québécois et le Parti québécois. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait qu'il ne veut pas scinder le pays, le Canada, en deux, qui ne veut pas voir le Canada éclater ou que ça pourrait causer toutes sortes de torts? Alors, si vous êtes pour le Parti québécois, nécessairement... Le pays scindé en deux, je pense que les faits sont là. Le Québec est différent. Le Québec est le foyer principal du français aux Amériques. Le Québec est un foyer dans lequel la notion de solidarité, la notion d'entraide, la notion de culture a encore un sens. Et considérant aussi les conflits nés d'un rapatriement unilatéral d'une constitution qu'on impose au Québec, on ne peut pas, du point de vue du Québec, considérer qu'on forme un tout, non. On est déjà séparés, virtuellement. Il suffit juste de le mettre sur papier. Voilà. Monsieur, je vous remercie infiniment. Vous êtes très sympathique. Merci. Merci beaucoup. Vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bonne chance. Bravo. Bravo. Merci. Merci, Maria. Et c'est un égoïsme.
on peut se permettre peut-être si parmi vous, vous avez le goût d'une question. Marcel est là. Allez-y, cours librement votre imaginaire ou ce qui vous préoccupe actuellement. Toutes les questions sont bonnes, elles valent tous 10 points, alors n'hésitez pas, c'est le temps.